Salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de mon petit monde solo en hardcore. Alors j'espère que tout le monde va bien, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait un petit épisode sur ce monde solo que j'adore. Et oui, ça fait presque un an que je joue dessus et que je ne suis toujours pas mort malgré le fait que je joue en hardcore. Mais c'est vrai que je suis quand même relativement prudent. Pas prendre de risques inutiles. Donc j'ai toujours une poupée dans la main, des choses comme ça, ça m'a déjà sauvé la vie une fois. Allez, on va se remettre en vue normale, enfin à la première personne. Voilà, et puis petit tour rapide. Voilà, en passant par mon petit village de PNJ que j'avais transformé à cet endroit-là. Voilà, le petit phare, le château du seigneur de ces lieux, bien sûr. En passant par la partie abbaye qui est là, donc avec la grande chapelle gothique et puis l'église romane, donc j'ai bien aimé construire ici, qui est très jolie. Et là, bien sûr, on passe sur la partie du village médiéval collé à l'abbaye. Toujours en mode fortifié, on a encore beaucoup de travail à cet endroit-là à faire d'ailleurs, avec le beffroi donc qu'on a fabriqué la dernière fois. Alors là, ce que je vais faire, je pense, je vais commencer à monter un petit peu les murs, à faire les fortifications un petit peu à cet endroit-là. Faut que je fasse un point aussi sur tous les matériaux que j'ai, parce que bon, j'ai récupéré quelques shulkers, mais j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Donc je vais faire un petit tri de tout ça, je vais commencer à monter les murs, et on se fait un petit point après, voir où est-ce qu'on en est, et qu'est-ce qu'on commence à construire au niveau de ce petit village pour avancer un petit peu le schmilblick. Voilà, allez, faire tout ça bien sûr avant que la nuit tombe, parce que on a toujours peur de ces bêtes sauvages hostiles qui risquent de nous attaquer. Allez, c'est parti, je m'occupe de tout ça. Eh ben dis donc, j'ai fini un petit peu le terrassement. Alors comme vous pouvez constater, j'ai pas mis tout à la même hauteur, donc c'est totalement volontaire bien sûr. Donc j'ai fait des murs, vous allez voir, je pense que ça va être sympa en fait d'avoir des choses un petit peu décalées dans tous les sens. Alors évidemment le terrain restera pas exactement comme ça, mais on a une bonne idée en fait de ce que ça donnera après de l'extérieur, sauf qu'il y aura des maisons, oulala j'ai failli me coûter, il y aura des maisons qui viendront peut-être légèrement en escalier par-dessus tout ça, vous allez voir je pense que ça fera sympa, j'en ai fait un terraforming assez important aussi de ce côté-là. Voilà, donc pour pouvoir commencer à construire toutes mes maisons un petit peu partout, donc j'ai fait un petit contour, tiens d'ailleurs faut pas que j'oublie mon lit, je vais en avoir besoin. Voilà, donc ici on a quand même des belles vues, des beaux murs un petit peu partout, et donc on pourra faire le tour du village comme ça, donc il y aura effectivement cette petite cité fortifiée. Alors donc ce que je vais faire, je vais commencer à faire les plans vite fait, donc d'un bâtiment qui sera quand même assez important. C'est un bâtiment que j'ai vu d'un corps de Surciel, qui est un des plus beaux villages de France. C'est la maison du Fauconnier. Et je la trouve très jolie, elle est de style gothique. Sauf que je vais la faire à ma sauce, bien sûr. Je vais la faire à ma sauce. Alors je ne sais pas encore trop à quel endroit je vais la faire. Je pense que là, ça pourrait être pas mal. J'ai pas assez de stone brick. Ouais, je vais prendre un petit peu de stone brick et puis vous allez voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Ça va être une maison un peu en L. Je pense que je vais en mettre une partie là. Je vais faire une petite tour, à mon avis, par ici. Puis peut-être une autre partie par là. Ça pourrait être assez sympa. Tout en laissant peut-être un petit passage ici, ou alors faire déborder la maison peut-être de ce côté là ça pourrait être assez cool, remarque, ça pourrait être rigolo, tiens, donc faire un truc, bah du coup par contre si je veux que ça tranche, il faudrait que je mette des machicoulis là, faire dépasser la maison comme ça, ça pourrait être assez badass. Ok, allez, je vais chercher du matos et puis on fait les petits plans ensemble de ce truc là. Au niveau largeur, je pense que si je fais 9 de large, ça sera pas mal. Alors par contre, ici j'ai envie d'abuser, c'est-à-dire de faire dépasser vraiment beaucoup. Pour faire dépasser beaucoup, en fait, il faudrait que je parte genre de là, et que je fasse des doubles escaliers ici. Vous verrez, je pense que ça fera sympa. À mon avis, ça fera sympa. Et donc du coup, mon mur, il va être par là. Je sais que ça va faire assez abusé, mais c'est vraiment l'effet que j'ai envie de donner. Donc du coup, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, donc ici, on va voir une partie qui va être là. Alors, toc, toc, toc. Alors, je fais pas de porte-tout, on verra ça après.
Pour l'instant, c'est vraiment. Je fais vraiment l'emplacement du truc. Alors, je sais pas quelle dimension on va lui donner à cette maison-là. Elle sera quand même assez imposante. Donc, du coup, on se fera un truc quand même assez cool ici. Là, par contre, j'ai quand même intérêt à mettre en premier, à faire mes doubles escaliers tout de suite. Ce que je veux dire, en fait, vous allez voir, je vais le faire avec vous. Où est-ce que j'ai mis mon stonecutter? Voilà, que je vais mettre là. Donc j'ai une shulker que j'ai prévue au cas où. Je vais avoir une tour pas loin, donc ça je vais le mettre ici. Et donc je vais faire des escaliers que j'ai déjà, donc c'est très bien. Mais ça servira pour la suite. Bon, écoutez, je peux sauter, hein, tant pis. Voilà, faire un truc en fait dans ce style. Voyez, hop, ça fait quand même assez balèze. Mais je pense que ça va être sympa et faire ça un peu sur une grande distance. Je pense que ça va donner quelque chose de cool comme ça. D'ailleurs, si j'en ai mis une là, est-ce que j'en mettrais pas une à cet endroit-là? La maison va partir ici. Aussi, on peut faire un truc comme ça. De toute façon, plus c'est biscornu et plus ça fera médiéval. Donc, c'est très bien. Là, c'est pour tricher, hein. On voit le terrain qui a été fait à plusieurs endroits. À cet endroit-là, ici d'ailleurs. Hop, je peux faire ça. Ici, comme ça. Alors, je vais avoir une grosse tour. La tour, en fait, il faudrait qu'elle dépasse un petit peu. Donc, le bâtiment, je pense qu'il viendra au moins. Alors, attendez, si je veux que la tour dépasse, il faudrait qu'elle vienne au moins là. Voilà, donc on va faire une tour qui sera ici. Et donc, qui fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais la faire de 11, la tour. J'espère qu'une tour carrée. Ah, ça, est-ce que ça va passer? Je sais pas encore. On verra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais largement 10, ouais, bah, de toute façon, et 11, voilà, on repartira par là, la tour repartira par ici, là, je fais juste le tracé, hein. On voit après ensemble comment est-ce qu'on construit le truc, mais pour l'instant, c'est juste le tracé. Alors, évidemment, quand vous avez un truc comme ça, il faut absolument cacher. Oh, il y avait une vache là-dedans, la pauvre, elle est enfermée, alors, bichette. Non, c'est pas bichette, c'est vachette. Ok, donc ça c'est bon. Et donc de l'autre côté, puisque j'ai un bâtiment qui part dans ce sens-là, je vais en avoir un petit bout qui va repartir dans ce sens-là. Voilà, parce que j'ai envie que ça soit joli. Donc du coup, toujours neuf. Alors il va être centré, bien sûr. Donc logiquement, si on fait un ici, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 et 9, et c'est ça, c'est bon, c'est parfait. Voilà, donc on va voir le bâtiment qui va repartir comme ça. Alors ça, évidemment, ça sera à l'intérieur, hein. Je le ferai après, mais c'est juste pour voir la dimension du truc. J'aime bien faire avoir des petits coins qui dépassent comme ça, je trouve ça cool. Et là, je vais mettre au moins, alors un nombre impair pour pouvoir faire une porte et peut-être juste une fenêtre. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 et 9, hein, si je viens comme ça, parce que là, je vais sans doute avoir un escalier qui va venir là. Ouais, je pense qu'on est pas mal, on est pas mal à cet endroit-là. Donc là, ça va être fermé, ici, et ça va venir jusqu'à là. Comme ça, j'aurai un petit escalier qui viendra le long des halles qui sont là, ça me paraît legit. Ben voilà, vous voyez, on a notre plan du truc qui est là. Donc c'est très bien. Alors je vais commencer à dessiner une petite fenêtre. Je vais faire un pattern, je vais fermer ma maison pour voir combien est-ce que je fais d'arches. Je vais avoir des arches ici intérieures, hein, pour pouvoir rentrer dans la maison. Et puis bah, on se retrouve une fois que j'ai fait ça. Voilà, et puis c'est tout. Là j'ai fait un début de chemin. Donc je pense que je vais faire un mélange cobble et gravier, je trouve ça sympa. Alors par contre ici, il va falloir que je fasse une petite montée, et il va falloir également, donc j'ai changé un petit peu les plantes légèrement. Alors j'arrête pas d'être embêté, hein, je peux vous dire, hey, c'est quand même incroyable, non seulement là, mais en plus, regardez de ce côté là, oh bah bonjour monsieur, bah bien sûr, allez, bon, etc. J'arrête pas d'être embêté de toutes parts. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je fasse donc tout un chemin gravier cobble, là, comme ça, tout le long, ici, tout le long, tout le long, tout le long. Là, j'ai fait, je vais faire des arches de 5, ici, et comme ça, on fera des fenêtres à meneaux, mais gothiques. Donc, une fenêtre à meneaux, en fait, c'est une fenêtre qui est séparée par un truc au milieu, là, un montant en pierre verticale. Donc, vous allez voir, je pense que ça sera sympa. Enfin, j'espère, hein, que je réussirai à aller faire ça correctement, voir des doubles fenêtres. Ça pourrait être aussi sympa. Je vais voir si je peux les faire dans aussi peu d'espace. Parce que le problème, c'est que dans Minecraft, c'est pas forcément fastoche. Voilà. Allez, je m'occupe de ça. Je voulais faire une petite transition, quand même, montrer un petit peu pour pas faire tout dans mon coin. Et puis, j'avance un petit peu mon cheminounet. Allez.
Alors, petite astuce, les amis. Donc là, c'est un aménagement du territoire, on est pas mal. Alors, j'ai pas fait l'escalier, hein, mais là, vous voyez, j'ai fait tout le terrain ici, tranquillou. Et donc, je vais avoir mon plancher qui va être à cet endroit-là. Alors, petite astuce, je pense que pour le bas, là, je vais le faire en pierre, en cobble, tout full en cobble. Je pense que ça fera bien l'affaire. Hein, pour un rez-de-chaussée comme ça, ça sera bien. Alors par contre, vous voyez, pour la partie qui est là, si je veux pas perdre mon effet 3D là, j'ai intérêt en fait à mettre des dalles. Je pense en des dalles de stone, ça fera plus joli. Je pense qu'en mettant des dalles de stone, vous allez voir. Donc ici, je serai bien à plat, hein, puisque mon plancher arrive à cet endroit-là. Mais par contre, je vais pas perdre tout l'effet 3D, donc du double crénelage qu'il y a en dessous, les doubles corbeaux. Alors, je pense que ça va faire joli. Attendez, ils vont m'enquiquiner aussi. Ah non, ça va, ils se sont barrés. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, c'est ça. Ah, en fait, si j'avais mis des blocs pleins, ça aurait fait un peu moins joli. Que là, je garde bien mon petit effet 3D, comme ça, avec les créneaux et les corbeaux qui dépassent de ce côté-là. Voilà. Allez, je vais commencer à monter un petit peu les murs, et puis je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, une bonne chose de faite, l'ossature est faite. Alors évidemment, là vous allez voir, je vais donner quand même de l'épaisseur à tout ça, histoire de donner un petit peu de relief. Également, vous avez vu la tour, je me suis dit, tiens, je vais donner un peu de couleur dans ce monde de brut, hein, parce que à l'époque médiévale, en fait, contrairement à ce qu'on croit, il y avait beaucoup, beaucoup de couleurs partout dans les rues. Il y avait vraiment, c'était très coloré. Hein, donc, qu'on ne s'y trompe pas, tout n'était pas tout gris. Alors, du coup, bon, déjà, dans un premier temps, ce qu'il va falloir que je fasse, bon, je vais faire des petites entrées comme ça. Et là, je vais les faire en 3D, comme ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien la forme comme ça, elle est pas mal. Et de toute façon, en arrière-plan, je mettrai du bois ici pour faire des entrées. Donc évidemment, au niveau de la déco intérieure, hein, on pourra pas trop décorer l'intérieur. Mais en fait, je veux surtout faire un village médiéval où il fait bon se promener. Pareil de ce côté-là, vous allez voir. Là, je vais donner un petit peu d'épaisseur de ce côté-là. Alors, attendez, ça, il n'y en a pas pour longtemps. On peut le faire ensemble, vite fait. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et hop, hop, hop. Et je vais faire juste un exemple avec vous de fenêtres à meneaux qu'il faudra que je répète un petit peu partout. Ça, par contre, ça risque d'être un peu folklore. Et que je fasse l'épaisseur en bois également de ce côté-là. Alors, petit exemple de fenêtres à meneaux. Donc ils font extrêmement médiéval. Alors attendez, je vais avoir besoin de barrières si je veux donner un petit effet 3D. Je vais mettre des blocs comme ça, ça sera pas mal. Alors par contre, l'inconvénient, c'est que 3 sur 3, ça va pas tellement. Ça va pas faire joli. Donc du coup, je vais être obligé de casser cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Donc l'andésite simule le plancher. Hein, donc il faudra que j'en rajoute une couche tout en haut. Et en fait, ici, vous allez voir, pour faire le haut de la fenêtre, je pense que ça fera joli si je
je rajoute un bloc comme ça. Et il y en aura un petit peu partout. Donc là, j'aurai ça ici. Je vais mettre deux petits trucs comme ça. Je vais rajouter donc des petites barrières à cet endroit-là. Alors le problème, c'est que j'aurais bien aimé donner du relief extérieur. Ouais, si, je sais comment je vais faire. De toute façon, si je mets des fenêtres, j'ai pris quelques fenêtres de couleur. Hein, on va se faire un petit damier simple et efficace. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que ici, hop, 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 on va creuser. Là, pour donner encore plus de relief à cette petite fenêtre-là, on va mettre, hop, 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 des petites barrières comme ça, des petites barrières ici. Et en fait, ici, derrière, on va rajouter de la stone brick qui vont servir de support. Donc aux fenêtres, mais également tiens, on peut faire même des coussièges, ça peut être sympa. Ici, en fait, oui, il y avait beaucoup de fenêtres, en fait vous aviez des fauteuils incrustés dans la pierre et ça leur servait donc de source lumineuse pour pouvoir coudre, hein, ou pour pouvoir faire des tas de petites choses de broderie, etc. Voilà, donc là ici, ben, on aurait le plancher quand même qui viendra à ce niveau là et en fait là on aurait plus qu'à rajouter un petit peu de couleur, non, de Zeus dans ce monde de brut, parce que je veux faire un truc quand même assez coloré. J'ai pas calculé, mais tac, si on fait un truc dans ce style, ça pourrait être sympa. Ici, tac, tac. Et donc là, tout en haut, j'en aurai un ici. Et on va rajouter du rouge. Donc ici, au milieu, poète, poète, et enfin, à cet endroit-là. Voilà, je pense que là, ça va faire une petite fenêtre plutôt sympathique. Par contre, il faut que je le fasse partout. Et que je fasse mes planchers et tout. On va regarder de loin, mais je pense que normalement, a priori, ça devrait pas être mal. Alors, si je zoome un petit peu avant que le zombie m'enquiquine, ben, c'est pas mal. On a du relief, on a de la couleur. Et regardez, même le bloc qui est là, il tranche bien sur l'andésite. Tu vas me laisser tranquille, toi. Voilà. Alors, je m'occupe de faire tout ça, les amis. Également, je vais en mettre. Je vais rajouter des fenêtres, bien sûr, sur la tour. Elle va pas rester. Elle va pas rester comme ça. Et on se retrouve après pour la suite des opérations. Sale bestiaux, laisse-moi tranquille. Espèce de nain de jardin. Eh ben, elle commence à avoir fière allure, cette petite maison du fauconnier, les amis. Alors, du coup, vous allez voir. Alors, c'est presque terminé, hein. Donc j'ai monté les toits de deux en deux à cet endroit-là. Pareil pour la petite avancée qui est de ce côté-là. J'ai rajouté des petites fenêtres comme ça sur les côtés parce que je trouvais que ça faisait mignon. Alors, par contre, pour les arches, évidemment, on va tout fermer. Je suis en train de regarder. Je vais le fermer à l'intérieur, ça fera plus joli. J'ai du spruce sur moi, donc c'est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire beaucoup, beaucoup de trapdoor. Comme ça, on va en faire un gros paquet. À mon avis, il faudra beaucoup plus que 20, comme ceci. Il me faudra au moins une porte par machin, donc je pense que, ouais, 4, etc. Bon, enfin, je vais vous montrer le concept. Hein, donc j'aime bien faire ça, parce que vous allez voir, ça cache un petit peu tout, et c'est plutôt sympa. Alors, sur la maison que j'avais pris en exemple, il y avait même des ouvertures un petit peu sur le haut, mais écoutez, voilà, c'est pas grave, là on va se la faire en mode, attends, 1, 2, il m'en faut le troisième, on va mettre juste là, hop. Hop, on va monter ici. Il y a pareil ici, il faut se mettre en sneak, hein, sinon ça marche pas. Ok, pareil de ce côté là. Hop là, et au milieu, on va se mettre une porte. Mais par contre, il faut la mettre dans l'autre sens, il faut la mettre en mode comme ça. Voilà, on n'a plus qu'à tout fermer. Alors, il va manquer, ah oui, il va manquer une hauteur de bitch. Ben, je vais m'en occuper. Comme ça, voilà. Bon, bah, je rajoute des portes ici. Enfin, des trucs, hein, comme ça, on aura juste l'entrée qui sera comme ça. Je fais pareil partout et on se retrouve à la fin pour regarder cette petite merveille d'architecture toute simple. Voilà. Ah, bah voilà. Une petite maison médiévale fort sympathique qui change un petit peu de style. Et puis, bah, c'est bien. Moi, j'aime bien de faire des petites maisons qui changent un petit peu. Et puis en plus, elle est adossée à la colline, comme ça, ça fait plutôt sympa. Tiens, d'ailleurs, on va prendre un petit peu de distance. Oh, crotte, 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 mes élytras. Je vais bien réaliser. Ah oui, j'ai mes élytras. Bah alors, elle s'était pas déclenchée. Hop là, on va prendre un petit peu de distance, comme ça, regardez-moi ça, si c'est un magnon. Bah bien sûr, et puis comme ça, ça, vous allez voir, on va en faire plusieurs à des styles un petit peu différents. Et c'est bien, ça va donner beaucoup de variété à cette petite cité médiévale qui va s'agrandir, hein, bien sûr, si je ne continue pas, si je peux continuer, enfin je veux dire si je ne meurs pas, hein, puisque évidemment, hein, je suis toujours en mode hardcore, ne l'oublions pas, et j'ai le droit qu'à une seule vie. Et voilà. Allez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. Moi, quant à moi, je vous fais à tous des super gros bisous.
prenez bien soin de vous et rendez-vous sur de prochaines aventures. Tchou tchou tchou.